Alors, si vous vous souvenez ce qu'on a fait la dernière fois, je vais parler essentiellement du courant électrique. Voilà. Et ce courant électrique, vous retenez qu'il s'agit d'un débit. Il s'agit plus exactement du débit des charges électriques. Que son unité, c'est 1 ampère, mais que l'unité qui se cache derrière, c'est coulomb par seconde. Et puis ensuite, propriété du courant, qu'on peut résumer en touche qui rentre égale à touche qui sort en termes de courant électrique. Donc de charge électrique, ça ne marche pas. C'est ce qu'on a retrouvé. Maintenant, on va étudier la deuxième grandeur qui sert beaucoup en électricité, c'est celle qu'on appelle la tension. Donc la tension, selon l'humeur, on notera ça U ou V. D'accord ? Voilà. L'unité de la tension, vous la connaissez, c'est en... Bien que ce soit très familier pour vous, ces vols, mathématiquement, la vraie définition de la tension, on ne va pas la faire aujourd'hui, puisque ça nécessite des mathématiques un peu sophistiquées dont vous n'avez pas la connaissance. Et on va quand même retenir une petite chose sur la définition mathématique quand même, c'est qu'une tension, eh bien, c'est une différence de potentiel électrique. Égale. Et là, je vais dire, c'est une différence de potentiel électrique, sous-entendu électrique, parce qu'il y a des potentiels d'origine autre qu'électrique. Et le potentiel électrique, on va le noter. Alors je vais mettre un V comme ça. Pour le distinguer. Et le potentiel électrique, il est aussi en vol. Ouais, pour comprendre au moins intuitivement ce que c'est la tension, il faut comprendre ce que c'est que le potentiel. Et le potentiel, je vais essayer de vous faire comprendre par analogie avec les écoulements d'eau dans des canalisations. Et donc, l'équivalent du potentiel en écoulement d'eau, eh bien, ça va être ce qu'on appelle la pression. Pression, alors on va faire un peu les unités comme ça pour que vous sachiez un peu ce que c'est que la pression, pour pouvoir si vous savez. Mon analogie fonctionnera que si vous avez une bonne idée de ce que c'est que la pression, si vous connaissez les écoulements. Alors c'est quoi l'unité de la pression? Alors il y a le bar, pas l'unité du système international, mais bon. Mais j'aime bien le bar, moi. Et il y a le fascia. On met bien, je crois. Et en fait, ces unités, ça ne permet pas de comprendre ce que c'est que la pression. Il y a des unités qui se cachent dessous, c'est un peu comme les ampères et les coulombs par seconde. Qu'est-ce qui se cache sous les barres? Sous les pascals. Entre les puissances 5 pascals, les barres. Oui, mais ce que je dois savoir, c'est quelle est la signification de ces unités. Ça veut dire quoi qu'il y a une pression de 1 bar? C'est en mètres cubes par seconde? Non. Ça serait une unité de débit, ça. Donc l'équivalent du courant, mais pas du tout de la tension. C'est en poids sur une surface? Alors on peut dire en poids par une surface, alors le poids c'est pas exact, c'est une force divisée par une surface, une force par une surface. Donc le pascal en fait c'est une force de 1 newton par mètre carré, et la pression atmosphérique qui nous entoure, elle vaut combien de pascal? À peu près. La pression de l'air qui est dans la pièce. 3 pascal non? Combien? 3 pascal non? Alors la pression atmosphérique, je pense que vous devriez savoir ça, ça fait 100 000 pascals. 100 000 pascals, ça veut dire que si je prends un mètre carré de surface, par exemple un mètre carré de ce tableau, et là-dessus j'ai 100 000 newtons, l'air appuie dessus avec une force de 100 000 newtons. Donc 100 000 newtons, si on convertit ça en kilos, parce qu'on peut convertir les forces en kilos, ça fait à peu près hein, 10 tonnes. La pression atmosphérique exerce actuellement 10 tonnes sur chaque mètre carré de tableau. Et chaque mètre carré mur, le vitre, etc. Okay. Donc c'est assez colossal, l'impression atmosphérique. Voilà. Et pourquoi les vitres ne cassent pas, par exemple? Donc il y a 10 tonnes de pression dessus. Ouais, parce que de part et d'autre, il y a la même pression et que ça s'équilibre. Ouais, okay. Alors le bar, je vais donner son unité en état approximativement égal. Effectivement, avec le bar, le truc qui va bien, c'est de constater que ça fait une force qui correspond au poids d'une masse d'un kilo, à peu près, par centimètre carré. Donc, je vais vous poser une question maintenant. C'est quand vous gonflez un pneu de vélo, un pneu de voiture, à 3 bar. Combien il y a de pression à l'intérieur du pneu? C'est une question piège. Vous avez le droit de répondre. Combien?
Et là, ça, c'est faux. Non. Quand on gonfle un pneu de vélo, quand tu pompes, tu gonfles jusqu'à 3 bar. Manomètre indique 3 bar. Quelle est la pression dans le pneu? Donc la réponse, c'est 4. Qu'est-ce que tu allais dire? 3 fois 10 puissance 5. Non, c'est pas 3 fois 10 puissance 5 pascal. C'est pas. En fait, quand c'est 4. 10 puissance 5, c'est pareil, toujours 4. Alors pourquoi c'est 4? Là, parce que quand on gonfle un pneu à 3 bar, c'est sous-entendu 3 bar de plus que la pression atmosphérique. Et comme la pression atmosphérique fait à peu près 1 bar, eh bien, quand on gonfle le pneu à 3 bar, c'est 4 bar à l'intérieur du pneu contre 1 bar à l'extérieur du pneu. D'accord? Et par contre, sur chaque petit centimètre carré du pneu, il y a une force qui s'exerce, qui est la résultante de la force des 4 bar intérieurs au pneu qui pousse vers l'extérieur avec une force de 4 kg. Et la pression de l'air à l'extérieur pousse vers l'intérieur du pneu avec une force de 1 kg. Donc la résultante, c'est que vous avez une force de 3 kg qui pousse vers l'extérieur. Voilà, c'est ce qui va faire justement la tension du pneu. C'est pour ça qu'il, quand il gonfle, il devient tendu, il devient un peu dur. Okay. Donc vous voyez, quand on parle de 3 bar dans un pneu, en fait, on ne parle pas de pression vraiment dans le pneu, on parle de différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Ben vous voyez, quand on parle de différence de pression, eh bien, ça ressemble à, c'est analogue à la tension. Parce que la tension, c'est une différence de potentiel. Et le potentiel, on pourrait considérer ça, on pourrait dire pression électrique. Potentiel, c'est une forme de pression électrique. Okay. Voilà, donc à la lumière de ça, si au prochain DS, que vous aurez la semaine prochaine, vous me demande de me donner l'équivalent hydraulique de la tension, qu'est-ce que vous devez me répondre? De pression. Non, ça, c'est potentiel, ça. Différence de pression. Vous me répondez une différence de pression. Vous pouvez noter dans un coin, parce qu'en général, j'ai 50% de bonnes réponses sur tout ça. Monsieur? Oui? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Quel est l'analogue de la tension dans les circuits? Oui, en circuit hydraulique. Ouais, la grandeur analogue qui correspond, si tu veux, à la tension dans les circuits hydrauliques. Alors, il va y avoir quelques petites conséquences à ça. Vous savez, par expérience, que si vous faites un trou dans le pneu du vélo, un petit trou, mettons, eh bien, quel va être le mouvement de l'air? Il va aller de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, les écarts de pression engendrent des forces qui ont tendance à pousser l'air, là, par exemple, pour aller toujours des lieux de pression les plus hautes vers les lieux de pression les plus basses. Okay. En électricité, vous faites l'analogie et vous allez voir que, en fait, les charges électriques subissent des forces, on appelle des forces électriques, qui ont toujours tendance à les pousser des points de potentiel les plus hauts pour aller vers les points de potentiel les plus bas. Et c'est pour ça que spontanément, c'est-à-dire on va dire en l'absence de générateur électrique, eh bien le courant électrique ira toujours du point de potentiel le plus haut vers le point de potentiel le plus bas. On dit qu'il va descendre les potentiels. Donc ça, c'est en l'absence de générateur. Il y a les générateurs électriques qui sont capables de faire l'inverse. Les générateurs électriques, je vous rappelle, c'est l'équivalent. Ah, je ne sais pas ici, j'ai déjà dit, c'est l'équivalent de la pompe. Bah, la pompe, hein, quand vous gonflez le pneu du vélo, elle vous fait prendre l'air à l'extérieur et elle le rentre à l'intérieur. La pompe est capable de faire un. Voilà, donc on va, voilà, on va raisonner uniquement par analogie. Et donc, pour retenir ça, ce sera très important effectivement de comprendre que c'est les charges ont envie de s'échapper des points de potentiel les plus hauts pour aller vers les points de potentiel les plus bas. Alors, les tensions électriques, quand on va vouloir parler des tensions électriques, il va falloir être un peu précis. Alors pour être précis, qu'est-ce qu'on va, on va définir, enfin on va flécher les tensions. En fait, vous avez un fil électrique. Hein. Mettons que j'anticipe un peu, ici je mets une résistance. Donc je dirais, on les dessinera comme ça. Voilà. Alors, mais mettons que électriquement un circuit, ici je sois dans un point A, et puis ici je sois dans un point B. Et là j'ai une certaine pression électrique, donc un certain potentiel, et là un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence. C'est ça qui va engendrer les écoulements de charge. Eh bien, pour parler de la différence de potentiel, attention, on va utiliser une flèche comme ça. Et cette flèche comme ça, eh bien, elle va désigner la tension, on va dire, entre A et B.
Et clairement, là, et ça, faut le savoir un peu par cœur, ça sera le potentiel en A, moins le potentiel en B, et non l'inverse. Alors, typiquement, cette tension, elle peut être positive ou négative selon où est le potentiel le plus haut. On va prendre le cas d'une tension positive, hein, pour bien se représenter les choses. Si la tension est positive, ben, c'est-à-dire que le potentiel en A est supérieur au potentiel en B. Ça veut dire qu'ici, on aura le plus, et ici, on aura le moins. Et les charges électriques dans la résistance hein, vont spontanément aller de A vers B. Donc, il y a toutes les chances qu'il y ait un courant qui s'accumule dans ce sens-là. Hein, parce que là-dedans, il n'y a pas de générateur. Donc ça c'est important, on va régler un petit truc aussi important. Je suis sûr, le long d'un fil, si je prends un autre point ici que j'appelle A', que vaut la tension entre A et A'? Donc A' et A', alors, bon, on va aller V de A' moins V2. Oui, ça c'est bon, ça on peut l'écrire. Hein. C'est le potentiel de A' moins le potentiel de A. Et moi j'aimerais le résultat. Donc ça prend 10. Mmh. Ouais, ça vaut 0, ça tout le temps. Enfin, si le fil est parfait, ça vaut 0. On verra un fil parfait, c'est-à-dire un fil à résistance nulle. Alors pourquoi c'est 0? On peut se poser la question. Eh bien, quand les charges, comment dire, dans le fil, les charges peuvent circuler librement. Il n'y a pas de. Très facilement. D'accord? Et dès qu'il y a un écart de pression entre deux endroits, deux potentiels, eh bien, les charges, elles bougent. Et elles bougent jusqu'à ce que les pressions ou les potentiels s'équilibrent. D'accord? Et donc, si les potentiels sont équilibrés, bah, c'est-à-dire qu'ils ont la même valeur. Donc, VA, potentiel A' égale potentiel A, donc la différence vaut 0. Genre, pour bien vous faire comprendre ça, je reprends l'exemple du pneu. Quand vous gonflez votre pneu, d'accord, le pneu durcit. D'accord, il ne durcit pas seulement à l'endroit où vous injectez l'air dans le pneu. Il durcit de manière égale sur tout le tour du pneu. Pourquoi? Parce que la pression est la même partout à l'intérieur du pneu. Pourquoi elle est la même partout à l'intérieur du pneu? Parce que l'air peut circuler librement à l'intérieur du pneu. Voilà, et dans cette pièce, je peux affirmer que la pression là, là, au quel point, au milieu, elle est partout là, même, sinon j'aurais un courant d'air. Ok? Ok, donc ça c'est fait, donc la tension, on peut le dire comme ça, la tension bande d'un fil, parfait, idéal, ça vaut 0. Alors, à partir de là, on va pouvoir étudier la loi fondamentale des tensions. Que dit la loi fondamentale? Alors, la loi qui s'appelle la loi des mailles. Donc, c'est quoi une maille? Bah, c'est une boucle dans un circuit. Alors, une boucle, je vais la matérialiser par. Voilà, je mets des composants comme ça. J'en mets que trois, il pourrait y en avoir plus. C'est un bout de circuit, c'est-à-dire que ce circuit, il peut y avoir plein de choses plus compliquées autour, que je ne dessine pas. Voilà, des choses connectées à droite, à gauche. Et dans ce circuit, bah, comme j'ai des fils, là, le long d'un fil, c'est le même potentiel. Donc tout le long de ce fil, ça, je vais appeler le potentiel A, ou le point A du circuit. Ça sera le B, ça sera le C. Dans ce circuit, je peux définir combien de tensions dans cette maille. 3. Voilà. Alors si on prenait les tensions à l'envers, ça ferait 6, mais c'est pas très intéressant de faire ça. Donc en fait, bah, je vais les flécher, on va dire aléatoirement pour le moment. Et celle-ci, je vais l'appeler U1, celle-ci U2, et celle-ci U3. Eh bien, la loi des mailles, elle donne une relation entre ces trois tensions, c'est-à-dire dès qu'on en connaît deux, on pourra calculer la troisième. C'est ça que ça veut dire. Et la relation, je l'écris là d'abord, sans justifier spécialement, mais ça sera U1 égale U2 plus U3. Alors, comment j'ai fait ça? Vous voyez qu'il y a une tension qui est d'un côté d'égalité, et les deux autres de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi, comment j'ai fait ça. Et la technique est assez simple, en fait, j'ai regardé les flèches, là, et je m'aperçois que la flèche de U1, là, elle a tendance à faire tourner comme ça, alors que U2 et U3 ont tendance à parcourir la maille dans l'autre sens. D'accord? Et bien, c'est pour ça que U2 et U3 sont de ce côté d'égalité, et que U1 est de ce côté. Et c'est ça qu'il faut respecter à chaque fois. Donc souvent on parcourt la maille dans un sens, on dit tiens la flèche est dans ce sens-là, je mets d'un côté d'égalité, la flèche est dans le sens, je mets de l'autre côté d'égalité. Voilà, il y a une autre technique qui est complètement équivalente, donc je vais la faire, hein, vous voyez cette relation, on pourrait écrire aussi U1 moins U2 moins U3 égale à 0. Voilà, donc ça c'est plutôt ça qu'enseigner d'habitude. Moi j'ai tendance à préférer ça, c'est un peu plus physique, on verra pourquoi. Mais
Et ça, ça veut dire quoi? Bah, vous parcourez la maille dans un sens, vous ajoutez des tensions, mais quand vous êtes dans le bon sens, vous mettez un signe plus, et quand vous êtes dans un gros cheval, vous mettez un. C'est complètement équivalent, mais moi, je vous conseille un petit peu ça. Donc, on a tout tracé. C'est pareil, 3 plus 2 ou 2 plus 3, c'est pareil. Mathématiquement, c'est pareil. Les additions, tu les fais dans l'ordre que tu veux. Non, ça ne change pas la résultat. Qu'elle soit positive ou négative, U2 plus U3 ou 3 plus U2, c'est la même chose. D'accord? Alors dites que l'addition, c'est commutatif, on fait dans l'ordre qu'on veut. Alors maintenant, je vais vous la démontrer, cette fois-ci. Parce que ça se démontre juste en sachant que la tension est une différence de potentiel. Vous allez voir. Allez, je vais calculer, alors une petite démonstration. Vous allez voir, c'est pas violent. U2 plus U3, voilà, je calcule. Bah, U2, c'est quoi? C'est potentiel en A moins potentiel en B. Je multiplie VA moins VB. Plus l'autre, eh bien, c'est potentiel en B moins potentiel en B. Voilà. Et là, si vous regardez bien, bah, j'ai potentiel moins potentiel en B plus potentiel en B. C'est deux choses. Quelques sorties. Et il me reste VA. Moins VB. Et VA moins VB, potentiel en A moins potentiel en C, ben ce n'est rien d'autre que Q1. On va essayer de démontrer. Donc en fait, la loi des mailles résulte du simple fait que la tension est une différence de potentiel. Alors ce que si bien que des fois, quand on veut analyser des circuits électriques ou électroniques, on a le choix entre appliquer la loi des mailles ou raisonner directement avec les potentiel. Je vais vous montrer, donc on va prendre un exemple pour ça, et vous allez voir les différentes manières de raisonner, vous allez voir que c'est complètement équivalent. Voilà, et je préfère vous montrer maintenant, parce que sinon ça peut vous dérouter, de voir qu'il y a différentes façons de raisonner. La première, ben, on prend un exemple, allez, je prends un exemple, supposons que U1 soit égal à 10 volts. Ça, ça fait 10 volts. U2, ça vaut 7 volts. Voilà, donc avec la loi des mailles, je vais en déduire U3. Alors, combien pour U3? On a 1 moins 2, c'est 3. Ça fait 3. Voilà, donc là, j'ai utilisé la loi des. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais en raisonnant directement sur les potentialités. Pour raisonner sur les potentiels électriques, en fait, il faut prendre un point du circuit et le désigner comme la référence des potentiels. C'est-à-dire, par définition, ça sera le potentiel 0. Alors. Ça me permet, c'est l'occasion de vous dire que les potentiels électriques, quand même, contrairement aux pressions, ils peuvent être aussi bien positifs que négatifs. En fait, la pression, c'est vraiment une grandeur physique. Le potentiel électrique, c'est une construction mathématique. C'est-à-dire, ça se détermine par construction mathématique à partir du champ électrique. Construction mathématique que je ne vous ai pas donnée, hein, d'accord? Il y a juste des analogies entre la pression et le potentiel électrique. Donc le potentiel peut être positif ou négatif, et surtout ce qui compte à la fin, c'est que les différences de potentiel. C'est-à-dire on peut fixer le 0 ou on. Donc par exemple, ben, je vais dire le point C là, à U c'est la référence de potentiel, généralement on met un petit trait comme ça pour dire que c'est une masse, on dit tiens ça c'est le 0 volt. C'est souvent, dans les circuits électroniques, on a souvent un fil qui est le 0 volt. La référence des potentiels, c'est souvent le moindre des alimentations. C'est comme ça. Et donc ensuite, si je raisonne en potentiel, hein, eh bien, le potentiel en A, il doit être 10 volts au-dessus du potentiel en C. Puisque y a, ça, c'est une différence. Donc le potentiel ici, c'est du 10 volts. Et puis le potentiel en B doit être 7 volts en dessous du potentiel en A. Donc le potentiel ici, ça sera 3. Et donc, la différence de potentiel au ventre de ce composant, ça sera 3 volts moins 0. Et on trouve bien que ça fait 3 volts. Et on va le faire encore une deuxième fois, ce raisonnement par potentiel, mais cette fois, je vais fixer mon potentiel 0 en A. Voilà, mon 0 volt, il est là. Et je fais les mêmes raisonnements. Je dis, bien, entre là et là, je borne de cette résistance, il y a 10 volts, enfin, ce composant. Donc le potentiel ici doit être 10 volts en dessous. Donc ce potentiel, je le mets à moins 10. Voilà, celui-là, il doit être 7 volts en dessous, donc celui-là, je le mets à moins 7. Voilà. Et ensuite, je veux savoir le potentiel, la tension borne de U3.
Eh bien, je fais moins 7, moins moins 10. D'accord, moins moins. Et on retrouve. Moins 7, moins moins 10. Quand on fait moins moins, ça fait 10. Et à chaque fois, on obtient le bon résultat. Donc deux façons trois façons, soit on travaille sur les potentiels, soit on fait du labodénant. Okay. Donc travailler sur les potentiels, c'est plus intuitif, hein, mais des fois c'est beaucoup plus rapide que d'écrire les lois des mailles. Finalement, on obtient des résultats sans écrire d'équations. Alors que les lois des mailles, il faut écrire des équations. Allez, un petit paragraphe sur les ordres de grandeur des tensions électriques. Bon, ça a été dit, c'est du genre 1,5 volts, 9 volts. Si on monte la tension, est-ce que c'est dangereux une pile ? Non. Une batterie de voiture ? Oui. C'est dangereux ? Non. Alors, c'est du 12 volts. Avec du 12 volts, vous ne craignez rien. À partir de quelle tension il faut se méfier d'un générateur ? Alors, le seuil de dangerosité, bon, ça dépend. Il y a des différents. Si vous êtes très mouillé, vous sortez de la piscine, ça sera 24 volts, on va dire. Et sinon, comme ça, dans l'état où vous êtes, ça fera 50. Alors ça veut dire quoi que c'est dangereux hein, au-delà de 50 volts vous vous souvenez, ce qui est vraiment dangereux, quand même, c'est pas la tension en elle-même, c'est le courant qui vous traverse. Et il ne faut pas que ce courant dépasse 30 mA, la dernière fois. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est que le courant qui va vous traverser, il dépend de la tension que vous avez à vos bornes, entre les deux points d'entrée. Plus on met de tension, plus il y aura de courant, parce que plus ça fait une force importante qui met en mouvement les charges électriques. Voilà, c'est pour ça que le seuil de dangerosité dépend aussi de la tension. C'est pour ça qu'à 50 volts, en dessous de 50 volts, vous aurez beau toucher dans tous les sens, je sais pas, la batterie de la voiture, vous n'arriverez jamais à faire passer plus de 30 mA à travers votre corps. Même si vous êtes complètement mouillé, vous sortez de la piscine. Okay. Enfin, alors après, vous avez les prises, par exemple, les prises, c'est du 230 volts. Voilà. Est-ce que c'est dangereux 230 ben, oui, c'est au-dessus du 50. Voilà. Est-ce que c'est très dangereux? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà électrocutés ici? Vas-y, levez la main. Ouais. Tout seul, toi? Pas du tout, j'en ai plus. Sur le 230 volts Ouais, sur une prise. Voilà. T'es encore là pour en parler? Okay. Moi, ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois. Okay. Je suis encore là pour en parler. La plupart des gens sont encore là pour en parler. Donc c'est dangereux, mais c'est pas si dangereux que ça. Mais ça peut être quand même très dangereux. Alors le risque majeur de ce genre d'électrocution, c'est de prendre un coup de jus, quoi, d'être électrisé comme ça, et de rester en position où le courant vous traverse. Voilà, assez longtemps. Alors vous vous dites, mais il faut faire exprès, il faut être un peu maso, comme ça, parce que c'est absolument désagréable. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que quand l'électricité passe à travers vous, que c'est une tension alternative, comme la prise alternative, vous voyez ce que ça veut dire, c'est que la tension elle est une fois positive, une fois négative, et ça change 50 fois par seconde. Voilà. Et bien quand c'est comme ça, et bien ça prend le contrôle de vos muscles. Alors, parce qu'en fait, ça imite les impulsions nerveuses qu'envoie votre cerveau pour contracter les muscles. Et du coup, bah, si vous attrapez une poignée, et qu'elle est sous tension, ou une barre, ou je ne sais pas quoi, et bien il y a 9 chances sur 10 pour que vous ne puissiez pas la lâcher. Même si votre cerveau vous ordonne de la lâcher. Et c'est comme ça que arrivent les électrocutions méchantes en 230. Donc, il faut vraiment réfléchir avant d'empoigner quelque chose qui peut être sous tension. Ça, c'est très important. Alors, en électrocution furtive, je ne pense pas qu'il y ait de gros dangers. Okay. Ensuite, si on monte dans les tensions, par exemple, pour transporter l'électricité sur... sur une centaine de kilomètres, en fait, on est en 25 000 volts. Est-ce que c'est dangereux? Oui, non. Oui, c'est très dangereux. Électrocution furtive, c'est dangereux aussi. Faites de grille instantanément. Et pour transporter l'électricité sur des très longues distances, on monte à 400 000 volts, ou 700 000 volts. C'est des grosses lignes électriques sur des gros poteaux immenses, là. Et voilà, au bout, entre les fils, il y a 400 000 ou 700 000 volts. Ok, là, on transporte sur des milliers de kilomètres. Voilà. Ensuite, quand vous parlez dans un micro, attention, vous sortez à la sortie de micro, c'est l'ordre du mi. Voilà. On arrive parfaitement ensuite à amplifier cette tension, exploiter ce signal et envoyer ça dans les haut-parleurs, les systèmes de son.
quand on reçoit un signal sur une antenne radio, eh bien, on arrive à l'exploiter alors que le signal peut être plus petit que le micro-ondes. Okay. On l'exploite et on arrive à en tirer une information. Voilà, j'ai fini pour la présentation de la tension électrique. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va passer maintenant à la notion de résistance. On avait déjà un petit peu parlé ici. Est-ce que je refais le circuit? Je pourrais prendre ce schéma. Alors, une résistance, donc on part ici. Hein. Une résistance, moi je la dessine comme ça, mais il y a des gens qui vont la dessiner comme ça. Okay. Alors d'ailleurs, quand j'utilise l'ordinateur, je la dessine comme ça, parce que c'est plus facile à faire comme ça à l'ordinateur, et à la main, c'est plus facile à faire comme ça. En fait, quand vous allez ouvrir une documentation électronique, 9 fois sur 10, vous allez avoir ça, parce que ça, c'est le symbole américain. D'accord ? Qui préexistait à ce symbole-là, qui a été établi, je ne sais pas en quelle année, mais... Et la plupart des documentations sont en anglais. Vous allez voir sur tout ça. Donc une résistance, elle a une valeur R. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une résistance en équivalent hydraulique? Bah, c'est un petit tuyau fin, une petite fuite si vous voulez. Enfin, plus ou moins gros selon la valeur de la résistance. C'est-à-dire que dans la résistance, le courant ne circule pas, il peut circuler, mais pas forcément facilement. Et plus la résistance est élevée, plus la circulation est difficile. Et plus elle est faible, plus la circulation est facile. En hydraulique, une résistance élevée, ça serait un tuyau très très fin. Et voilà, une résistance faible, ça serait un gros tuyau. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une résistance, par exemple, si on applique une tension positive aux bornes d'une résistance comme ça, eh bien, il va circuler un courant, on l'a dit tout à l'heure, qui va du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc il y a toutes les chances que le courant, enfin c'est déjà toutes les chances, le courant va circuler dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vais flécher le courant dans ce sens-là, comme ça une tension positive me correspondra à un courant positif. D'accord ? Et il se trouve que, eh bien, dans les résistances, le courant est proportionnel à la tension et inversement proportionnel à la valeur de la résistance. Alors, pourquoi inversement proportionnel ? Et bien, vous voyez que quand la résistance devient infinie, il faut que le courant tende vers 0, puisque ça veut dire que le courant peut de moins en moins passer. Et réciproquement, quand on a une résistance nulle, si on applique une tension au bord d'une résistance nulle, on a un courant qui tend vers l'infini. Voilà. Et une autre façon de l'écrire, cette loi, il faut connaître à peu près toutes ces formes. Hein. On peut écrire que U égale RI. Voilà, c'est tout ça sur cette forme-là. Okay. Et vous voyez que la tension, par exemple, au bord d'une résistance nulle, eh bien, ça, quel que soit le courant, ça sera toujours 0. Si je fais R égale 0, ça obtient U égale 0. Et ça, c'est le cas du fil parfait aussi. Vous vous souvenez ce que je vous ai décrit ici? On peut considérer que la résistance est nulle. Alors, avec les fils réels, les résistances ne sont jamais totalement nulles, elles seront très faibles. Hein, enfin, le jamais aussi, il existe des fils dans une résistance nulle qu'on appelle des supraconducteurs. Mais vous n'en manipulerez jamais. C'est un emploi pas facile. C'est pourquoi on en utilise si peu des supraconducteurs. Je ne sais pas si le supraconducteur est cher en lui-même, mais c'est un effet qui est une conduction qui est possible qu'à très basse température. Donc en fait, ce qui coûte cher, c'est peut-être pas le supraconducteur, mais c'est le système de réfrigération qu'il faut pour le maintenir à moins 250 degrés. C'est pour ça que c'est assez rare. Enfin, ça existe. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des machines IRM, par exemple. L'imagerie médicale en IRM. Quand vous rentrez dans une machine IRM, vous rentrez dans une grosse bobine supraconductée. Voilà, je vais passer des tonnes d'ampères dedans pour vous soumettre un champ magnétique assez puissant. Allez, la troisième forme de cette relation, qu'il faudra savoir, c'est pas c'est R, et bien R, c'est égal à U sur I. Et ça va me permettre de parler de l'unité de la résistance. Alors, si on regarde cette formule, en fait, l'unité, c'est quoi? C'est des volts par ampère. Voilà. Voilà, et bien en fait, effectivement,
Le volt par ampère, on appellera ça l'ohm, OHM, et on écrira comme ça avec la lettre oméga du graphe. Okay. Et bien sûr, un ohm, hein, c'est égal à 1 volt par ampère, c'est la même chose. Alors, je voudrais attirer encore votre attention sur un point de détail là, très important. J'ai dit U égale R, U égale U sur R. Voilà, mais ça ne marche que si la flèche de tension est dans le sens inverse de la flèche de courant. Ou si la flèche de courant est dans le sens inverse de la flèche de tension. Je vous en reparlais tout à l'heure, quand c'est un composant est fléché comme ça, il est fléché en convention dite récepteur. Parce que, mais attention, si jamais ça vous prenait l'idée, ou la mauvaise idée, je dirais, de flécher une résistance en convention dite générateur, c'est-à-dire avec le courant dans l'autre sens, il ne faudrait pas écrire U égale RI, mais U égale moins RI. Puisque si j'avais fléché le courant dans l'autre sens, vous comprenez bien qu'une tension positive aurait engendré un courant négatif. Okay, voilà, mais c'est une très mauvaise idée. On verra un peu plus tard, les résistances ne peuvent que recevoir de l'énergie. Donc il vaut mieux toujours les flécher en convention récepteur. Et écrire tout le temps U égale plus R. Comme ça on ne met pas de moins dans l'équation. Et on peut toujours flécher comme on veut, donc autant choisir le truc qui nous simplifie la vie. Le fléchage qui nous simplifie la vie. Allez, j'ai une petite pour les résistances, j'ai une petite relation à vous donner. Quand on veut calculer la résistance d'un fil électrique, on utilise une formule. Alors c'est une formule générale, ça marche pour autre chose que les fils, mais ça marche bien pour les fils. Eh bien, on sait que la résistance va être proportionnelle à la longueur du fil, inversement proportionnelle à sa section. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est que la section d'un fil? Ouais. Donc vous avez votre fil, comme ça, si vous coupez à la scie à métaux, bah la surface du fil que vous avez coupé, c'est la section. Alors, dans cette formule, la section, il faut la rentrer en mètres carrés. Alors, souvent, c'est des millimètres carrés, c'est pas grave. Il faut savoir faire des conversions de millimètres carrés en mètres carrés. La longueur est en mètres. Et ensuite, ici, il y a un coefficient qui dépend du matériau que vous utilisez pour faire votre conducteur électrique, qui s'appelle la résistivité. Et qui doit cracher des ohms, ici, puisque R est en ohms. Il doit cracher des ohms. Donc, c'est des ohms, vous les lisez là, ou ça. Alors, divisé par des mètres et multiplié par des mètres carrés, donc ça fait des ohms fois des mètres. Ouais, dans votre poly, le cours, vous avez on a page 5, vous avez la résistivité du cuivre. Il y a 1,72 × 10⁻¹. Alors 10⁻¹, c'est-à-dire qu'elle est toute faible cette résistivité. Et ça veut dire que le cuivre est bon conducteur. Donc c'est faible comme ça. Hein. L'argent, 1,63 × 10⁻¹, vous voyez que l'argent est un peu meilleur conducteur que. C'est comme ça qu'on voit comment le matériau conduit. Et l'aluminium est à 2,82 × 10⁻¹. Et donc l'aluminium conduit quasiment deux fois moins bien que le cuivre. Si vous allez sur internet, vous trouvez l'or et le platine, je crois, qui conduisent mieux que le cuivre. Peut-être mieux que l'argent aussi. Non, dès que tu as un barreau de matière qui a une certaine longueur, une certaine section, tu fais passer du courant entre un côté et l'autre. D'accord ? Et ça, voilà. Mais ça va bien pour les fils. C'est souvent ça. On utilise souvent pour calculer la résistance des fils. Voilà, j'ai à peu près fini pour les résistances, même si on y revient un petit peu vers la fin. J'ai fini pour la tension. Est-ce que vous avez des questions ? Okay. Alors, on va attaquer un truc un peu neuf. Allez, j'efface le printemps neuf. Alors maintenant, je vais vous parler de grandeurs physiques qui dépassent le cadre de l'électricité, qui sont absolument générales. Voilà, je vais vous parler de puissance et d'énergie. Alors avant même de définir ce que c'est que l'énergie, on a besoin de savoir ça, je pense que ça sera bien pour vous. Déjà, je vais insister sur la relation qu'il y a entre la puissance et l'énergie. Et en fait, si on veut le dire avec des mots, quel est le meilleur moyen de dire ce que c'est que la puissance, ouais. La puissance, c'est une énergie divisée par un temps. Alors ça, tu le dis par une formule, hein. Mais plus physiquement, c'est le débit d'énergie. Voilà, ça c'est bien. Je préfère que vous reteniez ça parce que quand on dit grandeur divisée par un temps, c'est pas forcément un débit. Voilà.
Et ça doit vous rappeler quelque chose quand je dis que c'est débit d'énergie. Eh bien, c'est comme l'intensité du courant, c'est le débit des charges. Vous voyez, c'est pareil. Donc en fait, la puissance, c'est le débit de l'énergie. Donc ça, c'est assez important à retenir. La puissance égale débit de l'énergie. Je vais noter que ça compte. Voilà. Allez, l'unité de l'énergie, c'est quoi? Non, joule. Alors là, il n'y a pas que les joules. Mais c'est l'unité du système international. Et donc la puissance, en quelle unité? Alors moi, je les watts, d'accord. Mais en fait, c'est ce qui se cache derrière les watts. C'est les watts ampères. Joules par seconde. Oui. Alors l'unité, ben, c'est un débit. Vous vous souvenez, les ampères, c'était des coulombs par seconde. Eh bien, les watts, ce sont des joules par seconde. Voilà. Donc en fait, ce qui se cache derrière le watt, c'est le joule par seconde. Voilà, 1 watt égale 1 joule par seconde. Vraiment une unité de débit. Alors effectivement, si on le traduit en niveau des formules, eh bien, pour avoir une quantité d'énergie écoulée, on prend son débit que multiplie le temps. Si on retourne la formule, on peut dire aussi que la puissance, eh bien, c'est l'énergie débitée divisée par le temps, les joules divisées par les secondes. Ou, eh bien, si on veut connaître le temps, il faut pour écouler une certaine quantité d'énergie, mais on fera cette quantité d'énergie divisée par la puissance. Alors toutes ces formules sont valables à une condition. On a déjà vu la même pour le courant. C'est si le débit est constant. Oui. Mais pour l'énergie, on peut aussi écrire en électronvolts, non? C'est une unité d'énergie électronvolts, oui. Mais on va avoir une autre. L'électronvolt, c'est l'énergie quand on raisonne sur les électrons, les petites particules. Mais on y reviendra, si tu veux, je reviendrai là-dessus quand je vous définirai ce que c'est l'énergie. Simplement, je n'ai pas dit ce que c'était l'énergie. C'était vous qui allez me le dire, on va voir. Okay. Ensuite, si jamais le débit n'est pas constant, on va faire comme avec les charges électriques, on va découper le temps en petits intervalles de temps infinitésimaux. Et on dira que la formule qui est valable ici, d'accord, eh bien, si la puissance n'est pas constante, eh bien, on dirait que pendant un petit instant dt, la puissance, on met p de t, l'énergie écoulée, dE, c'est la puissance fois dt. Et si on fait ça pendant un temps très court, la puissance n'a pas le temps de changer de valeur. C'est un peu ça l'idée. Hein? Et puis, du coup, on peut retourner ça. Si on retourne ça, eh bien, on obtient que la puissance, eh bien, c'est la petite quantité d'énergie écoulée divisée par le temps qu'il a fallu pour écouler. Autrement dit, c'est une dérivée. La puissance, mathématiquement, c'est la dérivée d'énergie par rapport au temps, de l'énergie écoulée par rapport au temps. Voilà. Et si on veut calculer l'énergie écoulée sur une grande période de temps, eh bien, il faut sommer les petites énergies écoulées sur les petits intervalles de temps qui composent la grande période de temps. Donc ça va nous donner E. D'accord ? Écoulée, eh bien, c'est une somme intégrale, parce que c'est des intervalles de temps infiniment petits, donc ça va être une somme infinie de termes infiniment petits pour un résultat infiniment précis, donc une intégrale. Et puis des DE, voilà, et les petites énergies écoulées, j'écris comme ça, DE égale somme de dp de t fois dt. Et ça part d'un instant de départ à un instant d'arrivée. Enfin, l'intervalle de temps. Le grand intervalle de temps il finit par un instant de départ et un instant de fin. Bon, vous avez vu, ça, mathématiquement, ça marche exactement comme les charges et le courant électrique. C'est complètement analogue. Bon, bah c'est déjà ça, on a la relation entre puissance et énergie. Allez, on va continuer. Maintenant, je vais vous définir ce que c'est que l'énergie, à moins que quelqu'un... est-ce que quelqu'un aura une définition de l'énergie? Des choses qu'on entend parler très souvent, partout, à la télé, dans les médias. On parle des défis énergétiques, etc. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Ouais. C'est quand il y a un photon qui arrive dans une particule qui la l'excite. Du coup, là, elle arrive au courant. Il y a un tableau où on voit la particule qui est excitée et qui est désexcitée, et c'est différent, c'est l'énergie. Ouais.
Ouais, toi, tu es bien branché particules, en fait. Hein. Et c'est bien. Alors, c'est vrai que les photons, c'est une, on va dire, une particule de lumière, si on peut le dire, et qui contient une certaine quantité d'énergie. Voilà, mais c'est à l'origine des temps, si tu veux, c'est la même fois que la lumière était en photon. À l'origine des temps, c'est absolument pas comme ça qu'on a défini l'énergie. Ça, ça a été une constatation expérimentale assez étonnante, hein, voilà, qui a été faite dans les années 1900. Sur le comportement de la lumière. Mais au départ, le premier à parler d'énergie, à définir ce que c'est que l'énergie, dans l'histoire des sciences, ben vous verrez, je vous en parlais souvent, c'est Newton. Et Newton, en fait, la première. Alors l'énergie, pour lui, on dit, il a établi ses lois de la mécanique. Et à partir de ces lois de la mécanique, il a obtenu une loi de conservation, c'est-à-dire dans les changements qui s'opéraient en mécanique, hein, les objets qui accélèrent, prennent de la vitesse, qui en perdent, etc. Eh bien, il a trouvé qu'en appliquant ces lois, il obtenait une loi de conservation entre deux grandeurs. Et il a dit, bah, ça, comme ça se conserve, je ne sais pas, j'appelais ça l'énergie. Okay. Et effectivement, une des propriétés fondamentales de l'énergie, c'est qu'elle se conserve. C'est-à-dire que l'énergie de l'univers tout entier, par exemple, eh bien, c'est une constante. Elle n'augmente pas, elle diminue pas. Et quand il y a un endroit de l'univers qui perd de l'énergie, c'est qu'il y a un autre qui en gagne. En fait, on retrouve la propriété du courant électrique, c'est tout ce qui rentre égal à tout ce qui sort. Alors je vais vous dire ce que c'est que les lois de conservation de Newton. En fait, la loi de Newton, vous devez la savoir, hein, c'est la force. Je vais plutôt l'écrire comme ça, c'est que les forces modifient la vitesse. Mais tu l'apprends. Donc en fait, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qu'on appelle l'accélération, d'accord, et cette fois, cette dérivée n'est pas un débit, c'est vraiment une vitesse de variation, et bien c'est la force divisée par l'objet. Ensuite, on fait des calculs mathématiques, et Newton, il montre ça. Alors, il dit que la force que multiplie dL, donc dL, c'est le point d'application de la force. C'est une force qui tire quelque chose, par exemple. Voilà, il faut que cette force ensuite arrive à faire bouger l'objet. Sinon, et si il bouge l'objet, d'accord, et sur un petit intervalle de temps, l'objet il est en un point ici. Ça c'est à l'instant T là. Et puis à T plus T, il a fait un petit déplacement, il a bougé un petit déplacement, l'infinitésimal. Et bien de là à là, du point de départ au point d'arrivée, on met un vecteur, et ce vecteur appellera le vecteur déplacement. D'accord, et comme la trajectoire est infiniment petite, on considère qu'elle est rectiligne. D'accord, bon. Et bien quand il calcule ça, alors il obtient que ça, c'est égal à la variation d'une grandeur, voilà, donc c'est les maths hein, qui donnent ça, qui vaut 1/2 de LV2. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez dû apprendre en mécanique, du coup, ça, on lui donne un nom. On appelle ça l'énergie cinétique, une énergie liée à la vitesse des objets. Voilà. Et bien la formule de base de l'énergie, c'est ça. Alors cette énergie, qui est la formule de base, on la note souvent W, parce qu'on appelle ça le travail des forces. Et les Anglais, quand on dit travail, disent work. Voilà. Et c'est noté W. Et ce théorème-là, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Vous avez entendu parler. Donc ça, c'est des lois hyper fondamentales. Et donc, alors, je vais revenir un petit peu, je vais peut-être détailler un petit peu cette histoire. Vous voyez qu'ici, vous avez une multiplication entre deux vecteurs. Vous avez un vecteur force, comme ça, par exemple. Je prends un exemple plus marquant. Vous avez un vecteur force qui tient dans ce sens-là, et vous avez le déplacement, là je l'ai mis perpendiculaire. Okay, voilà. Et ce produit-là, c'est un produit scalaire, que vous devez connaître. Hein, quand les deux vecteurs sont perpendiculaires, que vaut le produit scalaire? Nul. Bien quand il est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie mise en jeu dans le mouvement. Okay, pour qu'il y ait l'énergie mise en jeu, il faut que la force soit une composante au moins dans le sens du déplacement. Si je mettais la force comme ça, alors là, je communique de l'énergie à cet objet. Si je mets une force comme ça,
Et bien là, j'ai bien dans ce sens-là, la force dans l'autre sens, cette quantité est négative, et là, l'objet perd de l'énergie. Bah, quand est-ce que, tiens, vous conduisez une voiture, quand est-ce que vous êtes dans la configuration, l'objet acquiert de l'énergie ? Voilà, quand on accélère, vous avez la force qui est dans le même sens que la vitesse. Par contre, quand vous freinez, votre force est dans le sens inverse de la vitesse, et votre voiture perd de l'énergie. Lorsqu'on recule, c'est la même chose ou c'est... Alors quand tu recules, mais tu accélères en reculant, ta force est dans le sens de ta vitesse. Donc tu gagnes, enfin, ton objet gagne de l'énergie. D'accord ? On parle de la cinétique là. Hein. Oui, il gagne de l'énergie cinétique. L'objet prend de l'énergie cinétique. Voilà. Et ça lui a... cette énergie cinétique lui a été communiquée par la force, qui vient d'un autre objet. Ta table, c'est pas grave, tu ne t'affoles pas. Si je prends cette table que je tire dessus, d'accord, je tire un peu dessus, et bien tant qu'elle ne bouge pas, je ne communique pas d'énergie à la table. Si je tire dessus et que je la déplace, voilà, et bien je lui donne de l'énergie. Okay. Alors quand on donne de l'énergie comme ça, un objet en tirant, s'il est sur des roulettes, si la table est sur des roulettes, hop, elle prend de la vitesse, et l'énergie que je lui ai donnée est passée en forme. Énergie cinétique. Là, elle n'est pas sur roulette, la table, quand j'ai tiré, elle n'a pas pris de vitesse. Qu'est devenu son l'énergie que je vais donner ? Elle est passée par des frottements. Oui. Alors en fait, l'énergie est partie dans les frottements qui est au niveau du pied. Et elle est devenue quoi cette énergie ? La chaleur. Donc vous faites frotter les forces, vous prenez vos mains comme ça, et vous frottez un peu fort, vous verrez, ça va vous échauffer. Et vous savez ce que c'est que l'énergie de chaleur au niveau ? L'énergie. Et bien si on zoome et qu'on va dans le microscopique, la chaleur c'est de l'agitation thermique, c'est-à-dire c'est de l'énergie cinétique, mais au niveau des particules, des molécules, etc. Oui, c'est comme les électrons qui dans la foule. Quand ils prennent des électrons sur ton bras, ils sont trop collés, ça frotte. Je vous en parle à ça, des électrons. Effectivement, des électrons qui circulent. Effectivement. Quand on fera l'énergie dans les résistants. Bon. Allez, on va terminer sur les généralités d'énergie. Donc ça c'est ce qui est à l'origine de toutes les énergies naturelles. C'est très bien. Okay. Unité. Finalement, l'unité d'énergie, si j'emploie cette formule, ça devrait être quoi ? Ça devrait être en quoi ? Ben, c'est des newtons qui multiplient des mètres. Voilà. Et bien figurez-vous que 1 joule, c'est une force de 1 newton qui se déplace de 1 mètre dans le sens de la force. C'est égal. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur les énergies ? Très bien. On a d'autres unités pour l'énergie. Par exemple, si vous payez une facture d'électricité, est-ce que vous êtes facturé en joules ? Personne ne voit ça. C'est quoi l'unité de... C'est le kilowattheure. Alors, on va le mettre quand même aussi. Ici, l'unité possible, c'est le kilowattheure. C'est répondu. Et on va se poser la question de savoir si c'est bien une unité d'énergie, et surtout si c'en est une, combien ça fait de joules, ce truc-là. T'as dit combien ? Pas du tout. Alors, pour savoir convertir des kilowattheures en joules, dis-moi bien, il suffit de savoir que un watt, ce n'est que 1 joule par seconde. Vous allez voir, ça sort tout de suite. Je l'écris, 1 kilowattheure, eh bien c'est quoi ? C'est un débit de 1000 watts pendant une heure. Ok ? Donc si je veux calculer le E par cette formule, qu'est-ce que je vais dire ? De toute façon, c'est 1000 joules par seconde que je multiplie. Par 1000 heures. Ouais, mais il faut que je mette l'heure en seconde. Et, ben voilà, 1000 fois 3600, ça fait 3 600 000 joules. Okay. Donc il y a quand même beaucoup de joules dans un kilowattheure. Bon, est-ce que c'est beaucoup ?
Un kilowattheure, c'est beaucoup d'énergie. Du coup, vous savez combien ça coûte un kilowattheure électrique? Petite idée? En euros? Ouais, en électricité, ça coûte à peu près 15 centimes. Et encore en électricité, c'est le plus cher. Peut-être des kilowattheures. Quand vous l'achetez, c'est EDF ou le fournisseur d'électricité. Quand vous achetez une pile, on va vous permettre de faire le calcul, le kilowattheure, vous payez plutôt 1000 euros. Voilà, donc là, on a l'impression que c'est insignifiant, un kilowattheure. Okay. Très bien. Et bien maintenant, on va parler d'un travail assez important qui consiste à prendre une charge de 100 kg et la monter de 1000 mètres. Vous êtes d'accord? Une charge de 100 kg, la montée de 1000 mètres, c'est quand même un travail costaud. Déjà, 100 kg, c'est à peine capable de soulever le sac de 100 kg. On prend 50 kg, il y a un truc soulevable, un sac de 50 kg. Et vous devez monter ça de 1000 mètres. Je peux vous dire que vous devez être un sacré montagnard pour arriver à faire ça. Okay. On va regarder l'énergie qu'il faut pour faire ça. Alors, j'ai 50 kg. Voilà. Et je veux monter de 1000 mètres. D'accord. Pour calculer l'énergie, je vais utiliser cette formule-là, c'est-à-dire j'ai mon sac de 50 kg qui est là, hein, et en fait, il est soumis à son poids. Le poids, ça fait combien à peu près? 50 kg, sensiblement égal à 500, il faut multiplier par G qui vaut environ 10. Okay. Et pour donc soulever ça, il faut que moi j'exerce une force dans l'autre sens qui fait... l'opposé, c'est pareil, 500 newtons. Et ensuite, mettons que je vais soulever ça en ligne droite, mettons que je tire au bout d'une ficelle. Ouais. Hein? Et je vais soulever ça, et il faut que j'y monte de 1000 mètres. Donc je vais faire un déplacement ici qui part de là et qui monte de 1000 mètres. Voilà, j'ai pas besoin de décomposer un petit mouvement, parce que mon déplacement est rectiligne. La force est constante sur tout le déplacement. Voilà, donc je vais faire la force fois le déplacement pour la hauteur. Et là, je vais obtenir mon énergie. Donc, je fais F scalaire M. Et je dis que c'est 500 newtons que multiplie 1000. Donc, pour faire ça, eh bien, il suffit de 500 000 joules. Voilà. C'est-à-dire, si je fais ça en kilowattheure, vous voyez ce que ça fait? Il en faut combien à peu près des kilowattheures pour faire ça? Il faut diviser par 6,4. 6,2. D'accord. Allez, ça fait 1 sur 6,2 kWh. Et ça coûte. Et ça coûte, hein. Donc 15 centimes divisé par 6,2. Hein. Bon, c'est exactement. 0,902. 0,02. C'est ça? Voilà, vous voyez que ça coûte rien. Ben, en fait, vous êtes en train de prendre conscience que l'énergie de nos jours, c'est pas très cher. Parce que on a des moyens de production qui sont hyper performants. F, ouais, ça c'est la force. Donc vous voyez, c'est pas l'énergie, c'est pas cher du tout. Et du temps, on n'avait pas les machines pour produire toute cette énergie. Comment on se débrouillait? C'est ça la main. Voilà. Alors je vous laisse méditer ce truc-là, que l'abolition de l'esclavage coïncide à peu près avec l'apparition des machines à vapeur. Bon, je sais pas, on peut discuter de ça. Allez.
On va faire un dernier calcul maintenant, monter cette charge de 1000 mètres. Je vais faire ça en une minute. Et je fais ça avec un moteur. Quelle doit être la puissance du moteur? Si je veux monter cette charge en une minute. Eh bien, je vais dire que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je produise 5000 joules en 60 secondes. Voilà. 8333. Combien ? 8333. 8333. Voilà. Là, ça fait à peu près 10 kW. Il faudra prendre un moteur de 10 kW. Vous voyez les liens entre puissance, énergie, charge et force, etc. Voilà, tout est résumé dans cet exercice. Ça, c'est si on veut monter en une minute. Si on voulait monter en 10 minutes, on pourrait se contenter d'un moteur de 1 kW. Ça prend plus longtemps. On a besoin de moteur moins puissant. Alors maintenant, on va parler d'énergie en électricité. Je n'ai pas encore tout à fait fini sur les généralités. La puissance. La puissance, de manière générale, d'accord, eh bien, c'est le débit d'énergie. Okay. Vous êtes d'accord avec ça? Et la formule générale de l'énergie, c'est la force qui multiplie le déplacement. Donc là, je peux pouvoir mettre la force qui multiplie le déplacement et divise par dt. Quand je fais un produit scalaire comme ça, eh bien, plutôt que de diviser l'ensemble du produit scalaire, je peux diviser un des deux termes par dt. Donc je peux écrire dl sur dt. Voilà. Et c'est quoi dl sur dt? Ça là, c'est quoi? Alors c'est pas un temps sur un déplacement, c'est un déplacement sur un temps. C'est une distance divisée par un temps. Et c'est quoi, ça s'appelle comment ça, le langage courant? C'est la vitesse. En fait, ça, c'est le vecteur vitesse. Vous voyez, la puissance, c'est ce qui permet d'aller vite. On avait un peu vu dans l'exercice P égale la force scalaire la vitesse. Donc ça, c'est en mécanique. Bien ça, je vais faire une petite pirouette pour vous donner, justifier vaguement la formule de la puissance en électricité. En fait, je vous ai dit que la tension électrique aller engendrer des forces électriques qui ont tendance à déplacer les charges du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Mais retenez ça, la tension correspond à la force. D'accord ? À la pression, mais la pression c'est des newtons par centimètre carré. Okay. Alors que le courant c'est le débit des charges électriques et ça correspond plutôt à la vitesse des charges. Parce qu'il n'y a pas de vitesse de charge, il n'y a pas de courant. Okay. Alors quand on fait de la physique, on sait bien ce que c'est que la tension, qu'on sait relier la tension aux forces qui s'exercent sur les charges. D'accord ? Ensuite, on fait un peu de physique, on peut effectivement aussi relier le courant électrique à la vitesse de déplacement des charges. On met tout ça dans les équations de la physique et on obtient la formule de la puissance en électricité. Voilà. Et qui est donc le produit de F fois V devient U fois I. Mais j'insiste, tout ça à la base, ça vient de la mécanique de Newton, et puis des lois des forces électriques. Les lois d'électromagnétisme qui décrivent les forces électriques, loi qu'on abordera au semestre 2. On va un petit peu. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, tout ça, ce que dit lui, qui vous est peut-être assez familier, voilà, il y a une origine assez profonde en fait. Que je ne vous fais pas de démonstration mathématique. Voilà. Alors, on va détailler ça un petit peu, le P égale 8, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des petites choses à dire là-dessus. Voilà, vous vous souvenez, on va reprendre le cas de la résistance. Voilà la résistance, donc je dessine comme ça. On va prendre le cas d'un U positif qui engendre un courant dans ce sens-là. Ça, on l'a vu déjà. Avec donc le plus de ce côté-là.
et le moins de ce côté. Alors ça veut dire quoi le U dans ce sens-là? C'est-à-dire que le potentiel ici est plus haut que le potentiel là. Donc les charges électriques qui sont ici dans le fil, là, dans la résistance, vont subir une force qui a tendance à les entraîner dans ce sens-là. Donc je mets, voilà, ça c'est une charge électrique, ça c'est le vecteur force. Et comme avec le courant, ben, elle se déplace dans ce sens-là, effectivement, eh bien, la force ici, les charges électriques ont une vitesse qui est dans le même sens que la force. Le déplacement, j'ai pu mettre, hein, c'est dans le même sens. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les charges électriques, elles ont la vitesse, la force qui est dans le même sens que la vitesse, donc en fait, elles reçoivent de l'énergie. Donc dans les résistances, les charges électriques reçoivent de l'énergie. Est-ce qu'elles utilisent cette énergie pour faire augmenter leur vitesse? C'est-à-dire au fur et à mesure qu'elles avancent, est-ce que leur vitesse augmente? Ben non, dans les fils, en fait, tout ce qui rentre, il y a tout ce qui sort, tout le monde va à la même vitesse. D'accord? Simplement, pourquoi elles n'accélèrent pas? Eh bien, quand elles passent dans les fils et dans la résistance, là, les charges, qu'est-ce qu'elles font? Elles se cognent sur les atomes. Hein, elles avancent et elles se cognent sur les atomes. Et quand elle cogne un atome, eh bien, ça vient l'exciter, lui produire de l'agitation thermique. Et donc la moralité de l'histoire, c'est que toute l'énergie qui est communiquée sous forme électrique aux charges électriques, eh bien, elle va se transformer en agitation thermique. Et donc en chaleur. Donc dans une résistance, la totalité de l'énergie électrique reçue finit en chaleur. Donc si vous avez un vendeur de radiateur électrique qui vous dit « Oh, mon radiateur, il est mieux que celui du voisin parce qu'il a un rendement de 100% », c'est un menteur. Je peux fermer la porte, s'il te plaît, parce que j'ai une poêle qui parle assez fort. Pourquoi c'est un menteur? Le voisin a un rendement de 100%. Ben oui, je suis de son concurrent, il a aussi un rendement de 100%. D'accord? Ben, je dis ça parce que des fois, ça s'en compte. Hein. Tous les radiateurs électriques ont un rendement de 100%. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, dans ce cas-là, on va appeler une convention, récepteur, les deux courants fléchés, les deux flèches dans le sens opposé, pour attention, et bien quand on va faire P égale UI, on obtiendra une puissance électrique reçue par le composant. Okay. Et en général, on fléchera de cette manière-là tous les composants dont on pense qu'ils vont recevoir de l'énergie. Voilà. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, si on a eu la bonne intuition, eh bien, quand on fera le calcul, on doit trouver un résultat positif. Si jamais on trouve un résultat négatif, c'est-à-dire que le composant, il ne reçoit pas d'énergie électrique, il en fournit. C'est-à-dire qu'il est générateur. Pour une résistance, c'est impossible. D'accord ? Une résistance, ça reçoit toujours de l'énergie. Donc on parle ici de convention récepteur, parce que quand on fait P égale UI, on obtient la puissance reçue, et c'est adapté au dipôle qui reçoit de l'énergie. Donc ça, c'est une convention récepteur. A l'inverse, quand on a un dipôle dont on pense qu'il va fournir de l'énergie, alors qu'est-ce que c'est quoi qui fournit de l'énergie? En général, c'est les générateurs, mais on verra que ce n'est pas nécessaire, mais par exemple, je prends un générateur de tension. Pas de truc qui fait 12 volts, je sais pas, ça peut être une batterie de voiture, hein. Voilà, ben, je vais la flécher comme ça. Ah non. Vous voyez, les deux flèches dans le même sens. Et ça sera une convention, on verra, générateur. Et là, si j'ai un U qui est positif, normalement les charges ont envie d'aller dans ce sens-là. Hein. Mais le générateur, lui, a une force dans l'autre sens qui les pousse quand même comme ça. Et donc, ben, le courant peut sortir dans ce sens-là. On peut avoir un I supérieur à 0. Quoi. Au moment, je ne donne pas la valeur de I. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, si je calcule P égale UI, eh bien, j'aurai une puissance électrique fournie par le dipôle. D'accord ? Et ça veut dire que le champ électrique, enfin la force électrique serait dans ce sens-là, mais le déplacement serait dans le sens inverse. Ah, parce qu'il y a une autre force, hein, qui est à l'intérieur du générateur. Voilà. Et donc, voilà, les particules sont poussées, on va dire, dans le sens inverse, les charges électriques. Ok. Donc ça, c'est une convention, on va l'écrire quand même, c'est une convention générateur.
Voilà, donc quand j'ai une batterie de voiture, par exemple, mettons que je décide de la flécher comme ça. Et puis finalement, je fais mon P égale 8 et j'obtiens un résultat négatif. Est-ce que c'est possible ? Là, avec ce cas. Voilà, si jamais j'obtiens, je sais pas moi, moins 10 watts, ben ça veut dire que mon générateur, il ne fournit pas de puissance, il en reçoit. Mais ça veut aussi dire que le courant, au lieu de sortir par sa vente plus, il rentre par la vente plus. Et vous savez ce qu'est une batterie de voiture, quand on fait rentrer du courant par la vente plus, ça veut dire quoi pour cette batterie? Ça veut dire qu'on est en train de la recharger. D'accord? Donc effectivement, elle reçoit de l'énergie. Par contre, voilà, si le courant sort par la vente plus, alors là, elle fournit l'énergie. Alors vous voyez, les générateurs de tension, là, il peut des fois recevoir l'énergie, des fois hein, fournir, ça dépend le sens du courant. Voilà. Les générateurs de courant, qu'on verra peut-être un peu plus tard, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Bon, le sens du courant est imposé, mais c'est le sens de la tension qui peut varier. Bon. Et bien, j'ai quasiment fini sur la partie cours. On va simplement revenir sur les résistances. Là, je vais revenir un petit peu sur la résistance. Dans le cas d'une résistance, on écrit P égale 8, il n'y a pas de problème, c'est la puissance reçue. Mais c'est très rare qu'on utilise cette formule-là. Parce qu'en fait, on va la marier, cette formule-là, avec l'autre formule connue pour les résistances, qui est, par exemple, U égale RU. Oui. Et donc, le U qui est dans cette formule, on le remplace par RI. Et quand on fait ça, eh bien, on obtient que la puissance dans une résistance, c'est RI carré. Donc, on utilise plutôt cette formule pour les résistances, ou plutôt une autre formule encore, parce que j'aurais pu faire aussi, ici, on écrit P égale U, et au lieu d'écrire U égale R carré, je peux écrire aussi I égale U sur R. Et cette fois, c'est le I que je remplace au-dessus, et qu'est-ce que j'obtiens comme deuxième formule ? P égale U carré sur N. Donc ça donne les deux formules qu'on utilise le plus souvent pour calculer les puissances dans les résistances. Si on connaît la tension borne résistance, on prend celle-là. Si on connaît le courant qui les traverse à l'intérieur, on prend celle-là. Et c'est très rare qu'on prenne ceci. Ça, c'est si on ne connaît pas la valeur de R, qu'on connaît UI. On prend ça. Et souvent, on connaît la valeur de R et on connaît soit U, soit I. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie de cours? Ok, donc la semaine prochaine, en début de TD, je vous ferai un petit DS sur ces notions-là. D'accord? Donc je résume. Enfin, ça va me dire que le courant, c'est un débit, me décrire la loi des nœuds, me donner les unités possibles, notamment savoir qu'un ampère, c'est un coulomb par seconde. Il faudra connaître la tension, me dire que c'est analogue à une différence de pression. C'est pris mon vote. Il faudra me connaître, savoir me dire ce que c'est que l'énergie, les unités d'énergie, la relation entre puissance et énergie. Okay. Voilà. Et les relations qu'on a entre puissance et énergie, ou entre charge écoulée et l'intensité du courant. Okay. Oui. Alors, en fait, je crois pas, depuis tout à l'heure, on fait le cours, on est 1h30 sur la page 3, oui. Alors que demain, on a DS sur la page 34. Ouais. Et ben demain tu vas faire DS jusqu'à la page 34. Et le DS sur la page 34, c'est toi qui te débrouilles un peu tout seul pour essayer d'apprendre à partir du colis. Et là vous avez beaucoup plus de détails que ce qu'il y a dans le colis. Alors on va démarrer maintenant par un exercice d'application. Et le premier qui est dans votre fascicule d'exercice. Alors, pour traiter cet exercice, au début, vous aurez simplement le droit d'utiliser les lois fondamentales que je vous ai indiquées, c'est-à-dire loi des mailles, loi des nœuds, il n'en est pas un, loi d'eau. Et c'est
Le rond avec une flèche dedans, vous l'avez compris, c'est quoi? Un générateur de transport pour une courbe de tension assez. Allez, je vais chercher pendant quelques petites secondes. T'auras jamais à compiler, utiliser deux théorèmes avec le LE pour avoir la plupart, comme on fera en exercice. Ah, d'accord, là c'est le début. Quoi. Ouais, c'est le début, c'est élémentaire. Non, bah, là, je ne voudrais pas ça. Demain, ça va être basique, vraiment, ça colle au cours. La méthode générale d'analyse des circuits. Vous verrez plus tard, on aura des, vous allez apprendre à utiliser des théorèmes qui vont essayer de faciliter la vie par rapport à cette méthode-là. Et cette méthode, c'est quand on n'a pas d'idée pour simplifier les circuits. D'accord ? C'est celle qui, normalement, nous conduit à coup sûr au résultat. Le seul problème de cette méthode, c'est qu'elle peut être assez calculatoire. Et en fait, quand je dis ça nous conduit à coup sûr, c'est à la condition que là, on soit très fort en calcul. Cette méthode, elle se déroule toujours de la même manière. Donc là, je vais vous énoncer les étapes, hein, les unes après les autres. Donc, la première étape, ça consiste à flécher les courants du circuit. C'est-à-dire à mettre des flèches, tout simplement sur les courants. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'intuiter le sens réel du courant pour essayer de flécher un sens qui nous donnera des courants positifs. Donc, essayer de flécher dans le sens réel. Alors, vous êtes d'accord que ce générateur est un générateur de tension de 10 volts, donc avec le plus ici et le moins ici.
Donc en fait, il pousse les charges comme ça, ce générateur, et le potentiel le plus haut est là. Et le potentiel le plus bas est là. D'accord. D'ailleurs, on peut raisonner en potentiel, hein. C'est-à-dire dire ici c'est le 0 volt, et ici on aura plus de 10 volts. Du coup, dans les résistances, on sait que spontanément, les charges vont aller du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc en fait, le courant va circuler comme ça. Alors le courant, il va descendre, comme ça. Normalement, je pourrais mettre une seule flèche, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le courant, c'est le même partout. Alors, j'insiste un peu, hein, je vous mets là, je vous mets là. J'insiste bien pour dire que c'est le même partout, parce que tout ce qui rentre, il y a là, tout ce qui sort. Et ici, est-ce qu'il sort quelque chose? Non, parce que c'est relié à rien. Donc dans l'exercice, le courant qui est ici, c'est 0. Et celui qui revient là, c'est 0 aussi. Il n'y a rien de connecté. Il y a juste une tension. Les résistances, je vous dis les noms, c'est R1 et R2. Une fois qu'on a fléché les courants, la deuxième chose à faire, c'est de flécher les tensions. Donc on flèche les tensions. Et on, au bord des résistances, je ne dis pas le choix. On les met en convention. Récepteur. Les deux flèches dans le sens inverse. Et du coup, le générateur, lui, on peut le flécher. C'est sûrement lui qui fournit l'énergie au montage. Donc lui, on peut le flécher en convention. Le générateur, mais en fait, il était déjà fléché par la flèche là aussi. Okay. Voilà, très bien. Et ici, la tension est déjà fléchée, ça s'appelle VX. Après, une fois qu'on est là, on repère les différentes mailles du circuit. Et là, c'est vite fait, il y en a une si on peut dire. Et donc, on écrit la loi des mailles. Pour moi, il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais là, quand il y a beaucoup de mailles, il faut faire un peu attention quand on écrit la loi des mailles, mais là, il n'y en a qu'une. Et bien, la loi des mailles, j'ai écrit comme ça, et vous allez voir, j'ai une petite habitude pour aller vite. J'écris VE égale, et je n'ai pas appelé ça UR1. Je ne vais pas donner de nom à cette tension, vous avez vu, je n'ai pas donné de nom. Je vais écrire directement que cette tension, par la loi d'Ohm, c'est R1 fois I. Donc j'écris, c'est R1 fois I. L'autre tension, c'est pareil. Toutes les tensions, au bord de la distance, j'écris RI. Comme ça. Et ça y est, j'écris ma loi des mailles. Et une fois que j'écris cette loi des mailles, eh bien, je m'aperçois que la seule inconnue de cette équation, c'est I. Et comme je suis fort en maths, ça doit être fort, je sais résoudre cette équation et je veux obtenir la valeur de I. Alors comment on fait pour obtenir I? Ben, on commence à factoriser, on dit c'est I facteur de R1 plus R2. Et après je divise par R1 plus R2 de chaque côté une égalité, ce qui fait que je m'en trouve avec I égale VE sur R1 plus R2. Allez, à ce stade-là, je m'autorise une première application numérique, juste pour voir que ça se fait très facilement. Ça fait donc 10 volts divisé par 6000 plus 4000. Ça fait 10 sur 10000. Ça fait 10.3 ampères. Donc 10.3 ampères, on écrit rarement comme ça. On préfère écrire 1 milliampère. Mais c'est pas fini, nous ce qu'on voulait c'est calculer VS. Enfin, VS, c'est pas très compliqué parce que quand on avait fait R2 fois I, ici en fait c'était cette tension, c'était VS. Donc il n'y a plus qu'à écrire VS égale R2 fois I égale donc 4000 ohms. Je multiplie 1 million d'ampères, c'est 10 moins 3, donc il reste 4 volts. Bah, si tu es capable d'écrire directement la formule, oui, méfie-toi de ne pas aller trop vite. Parce que des fois, là c'est facile l'exercice, tu as sans doute fait un peu d'électricité avant. Mais il y en a dans les DS, ils vont y aller à l'intuition, et puis en fait, comme ils n'ont pas décomposé rigoureusement, à la fin, résultat. Mais toi, tu verras, au fur et à mesure des exercices, hein, tu vas confronter tes intuitions au résultat après. Alors, une autre façon, si je voulais avoir un résultat littéral de DS, hein, j'aurais pu aussi écrire VS égale R2 fois I, et remplacer I par ici, hein, VE sur R1 plus R2. Voilà, et ce qu'on a tendance à écrire, comme ça, je vais vous mettre la formule bien propre qu'on a fait. Donc ça, c'est une formule que vous allez apprendre, soit
qu'il faut être capable soit de redémontrer très vite, soit d'être capable de mémoriser. En fait, la tension VS, c'est une fraction de la tension d'entrée. Et la fraction se calcule avec les résistances. Et j'ai une fraction parce que vous constatez que le numérateur est plus petit forcément que le dénominateur. Donc la tension VS est plus petite que la tension d'entrée. Voilà. Et c'est pour ça que ce circuit-là, qui est ultra classique, on lui porte le nom de pont diviseur de tension. Parce que la tension en sortie est plus petite. Et il y a un cas particulier qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est si les deux résistances ont la même valeur, eh bien, oui, le pont divise par deux. C'est-à-dire qu'en fait, le dénominateur devient le double du numérateur, donc ça divise par deux. Donc si vous mettez 10 volts à l'entrée, si on avait la même résistance, on aurait eu 5 volts en sortie. Okay. Bon, vous verrez, c'est un des résultats qui va nous faciliter la vie dans l'analyse des circuits et qui va souvent nous permettre d'éviter la méthode générale de l'analyse des circuits. Voilà. Bon, bah, il est résolu celui-là. Vous avez des questions? Eh bien, je propose d'entamer, on arrive dans 7 minutes, de commencer à chercher l'exercice numéro 2. Et pareil, vous allez le démarrer, d'accord, mais en utilisant la méthode générale, c'est-à-dire que loi des mailles, loi des nœuds et loi d'eau. Que ces trois lois. Et vous allez voir qu'on va s'en sortir sans problème, peut-être en résolvant des équations, mais on va s'en sortir. Et vous verrez aussi que cette façon de faire se fait toujours en deux temps quand on veut calculer une tension. C'est-à-dire on calcule d'abord les courants, vous avez vu, là on a calculé les courants, et ensuite seulement on en a déduit. Alors essayez d'écrire au moins les deux, fléchez déjà, faites le fléchage. C'est le premier étape, fléchage du courant, fléchage des tensions. Alors, je vais faire juste le fléchage et puis vous terminerez chez vous. La prochaine fois aussi. Vous êtes d'accord, le plus il est où là? Sur le générateur. Il est là. Donc le courant, là, dans l'instance, il varie d'en haut vers en bas. Je fais beaucoup de flèches en courant volontairement. En fait, c'est un peu idiot. Alors vous allez voir ce. Ce courant, je vais l'appeler I1. Mais celui-là, en fait, là, c'est aussi I1. Ouais, parce que tout ce qui rentre, regarde, hein, qui sort, celui-là aussi, c'est I1. D'accord? Donc en fait, c'était idiot de mettre toutes ces flèches, après, on ne mettra plus une seule. Okay. Ensuite, ce courant-là. I1 sur 2. Pourquoi sur 2? Parce qu'on divise avec la loi des deux. Ah non, mais le lot des nœuds, je ne dis pas que ça se divise de manière égale. Je dis que tout ce qui va sortir va être égal à I1. Alors celui-là, on va l'appeler I2, ça va être notre deuxième inconnu en courant, qui paraît que cette flèche est inutile, parce que ça, c'est aussi I2. Et celui-là, on pourrait tenter de l'appeler I3, sous courant, mais c'est pas très adroit, parce que ce I3, celui-là, vous se déduire des deux premiers, puisqu'il y en a deux. Donc celui-là, bah, comme tu l'as dit, ça va être I1 moins... I2. Comme ça, quand on fait ça, on prend bien sûr tout ce qui entre égale. Une fois que vous avez fait ça, vous fléchez. Donc pareil, celui-là, hein, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi I1 moins I2. Après, on flèche les tensions, bah, c'est facile, on les fait en convention. Récepteur sur les résistances, celle du générateur, bah, c'est le sens de la flèche, mais c'est déjà. Très bien. Et après tout ça, vous avez combien de mailles dans ce circuit? Deux. Non, il y en a trois. Deux, trois. Et il y a combien d'inconnus en courant? Il n'y a que I1 et I2. En fait, il suffit d'écrire deux lois des mailles. Voilà, vous allez avoir deux équations avec deux inconnus, vous résolvez, vous obtenez I1 et I2, et après, vous obtenez toutes les tensions que vous voulez. Qu'est-ce que c'est la stratégie? Pour la loi des mailles, vous aurez l'embarras du choix, il faudra en choisir deux parmi trois. Toutes les combinaisons sont possibles dans ce circuit-là. Okay. Voilà. Et ben, faites ça pour la prochaine fois, ça va vous entraîner à calculer, etc.
très bien. Et bien là,